ça m'est venu en regardant un petit peu autour de moi, en lisant des petites choses. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que des escortes, ça existe. Il n'y a pas eu vraiment de sujet traité là-dessus. Ou alors du côté de... En général, quand on parle d'escortes, on parle de filles. Quand on parle de prostitution, on parle de filles. Donc les escortes, c'est entre les deux. C'est un côté un peu glamour, mais c'est quand même des gens... Surtout les, enfin, les boys, les escort girls, les escort boys, qui finissent par devenir un peu des gigolos. Et j'ai eu envie de traiter un sujet où on allait partir de données inverses, on a inversé le problème. C'est plus l'homme le client, c'est la femme qui est la cliente, et c'est plus la femme l'objet à consommer, c'est un garçon. Je voulais faire une femme forte, humaine, et qui, par contre, avait recours à des procédés apparemment scandaleux pour certains, qui est de se payer les services tarifés de jeunes gens. J'avais envie de parler du manque d'argent, jusqu'où pouvait aller le manque d'argent. J'avais pas envie de l'amour, jusqu'où on pouvait aller par amour, par rapport au manque d'argent. Et puis j'avais aussi envie de parler de l'argent qui permet de se payer éventuellement l'amour. Donc, ou l'amour, ou du moins la compagnie, si c'est pas l'amour. Et ces trois propos vont se mêler dans le film. Ma grand-mère me disait, mieux vaut être seule que mal accompagnée. C'est un vieux proverbe.